20 mois de travaux, 4,5 millions investis, voilà le nouveau visage de la place Jourdan. Plus moderne et conviviale, première impression positive. C'est magnifique, c'est très beau, il y avait longtemps qu'on attendait ça, et maintenant les marchés vont reprendre, ça va mettre un peu d'ambiance. C'est bien, ils ont agrandi beaucoup pour les terrasses. Fini la rue qui ceinturait la place, désormais place et terrasses ne font plus qu'un, un plus. On a quasi des jets d'eau, donc tu sais qu'il n'y a jamais eu de jets d'eau ici, donc c'est assez spectaculaire quand même. Donc ça a été en travaux très longtemps, et nous on est contents, elle est bien, on est à boire notre petit café ici, on est contents. Nouvel éclairage, fontaine, revêtement pavé, traité avec un vernis venant du Portugal et un parking. De gros aménagements qui posent aussi question, est-ce que ça va séduire? Nous on l'a ressenti par rapport au parking, parce qu'avant les gens venaient 5 minutes derrière la friterie et prenaient son paquet de frites et repartaient. Parce que les commerçants sont un peu mitigés. Oui, mitigés parce qu'on a une crainte, on a connu la place il y a 26 ans, en tout cas pour ma part et pour beaucoup de commerçants ici, et que voilà, elle a changé, elle est plus moderne, elle est plus stricte, elle est plus, voilà, mais on va avoir des plus grandes terrasses, on va tout faire pour mettre une ambiance, pour créer, on espère qu'il va y avoir un été comme l'année passée en tout cas. L'accessibilité pour les PMR n'est pas optimale non plus, mais tout le monde est d'accord, c'est quand même bien plus beau aujourd'hui.